Le troisième combattant, pour le docteur Marcel Junot, c'est l'humanitaire qui s'interpose entre les belligérants. Ce combat, Marcel Junot le mènera sur le terrain de 1935 à 1945 auprès du Comité international de la Croix-Rouge. Il forgera la figure du délégué du CICR telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Dans le précédent épisode, nous avons suivi Marcel Junot dans ses premières missions, de la guerre italo-éthiopienne à celle d'Espagne. Aujourd'hui, François Bugnon, historien et membre de l'Assemblée du CICR, revient sur l'action du docteur Junot pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le CICR, début septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre, décide d'envoyer des délégués à Berlin, à Paris, à Londres et à Varsovie. Évidemment, le poste le plus stratégique, chacun pouvait deviner que ce serait celui de Berlin. Et Junot se porte volontaire pour ce poste-là. Donc, il part pour Berlin en septembre 1939. Il sera accrédité auprès des autorités allemandes et très rapidement, son champ d'action va s'étendre au-deçà des frontières du Reich, puisque l'Allemagne est également puissance occupante. Évidemment, ce qui préoccupe le CICR en première priorité, c'est le respect des deux conventions de Genève de 1929, c'est-à-dire la convention qui protège les militaires blessés et malades et les services de santé, et la convention qui protège les prisonniers de guerre. Et cette tâche va très rapidement prendre une ampleur immense avec la capture de centaines de milliers, je crois 400 000 militaires polonais dès septembre-octobre 1939 et puis au moment de l'armistice de Rotonde, la capture de 1 800 000 Français. Donc, je dirais en toute première priorité, le CICR va s'occuper des prisonniers de guerre et ce sera la tâche de Junot de conduire les premières visites, celles qui en quelque sorte vont donner le ton pour cette activité que le CICR va poursuivre tout au long de la guerre. Dans cette petite chambre de l'hôtel Eden, qui est notre seul bureau dans Berlin, nous sommes 5 à nous pencher sur une immense carte de l'Allemagne et des pays occupés. De petites croix rouges marquent l'emplacement des Hoflag, des Stalag, où nous sommes admis à pénétrer. Mais nous y voyons surtout ces vides obsédants. Les camps russes qui n'y figurent pas, certains camps polonais qui n'y figurent plus, sous le prétexte que les prisonniers sont devenus des travailleurs volontaires. Enfin, ces lieux maudits dont nous devinons à peine l'angoissant mystère, les camps de concentration. Le Comité international de la Croix-Rouge a été critiqué pour son silence sur les déportations et les camps de concentration. François Bugnon reviendra sur les manquements du CICR dans l'épisode consacré à la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir organisé l'assistance des prisonniers de guerre en Allemagne, Marcel Junot est envoyé en 1941 en Grèce, sous occupation nazie et mussolinienne. La population grecque est alors décimée par une terrible famine. Marcel Junot organise les secours et met en place une gigantesque opération de ravitaillement. La Grèce n'est pas un pays agricole. Le paysage se prête mal au développement de l'agriculture. La Grèce vivait beaucoup plus du commerce, du shipping. Et avec la guerre, évidemment, cette activité-là est interrompue. L'armée grecque était extrêmement pauvre en moyens de transport au moment de l'attaque italienne. Et alors les Grecs, avec beaucoup de courage, vont réquisitionner tous les tracteurs, tous les chars de ferme pour les utiliser pour les transports de leurs troupes, avec des succès militaires significatifs, mais évidemment ça leur coûtera leur agriculture au moment de l'attaque allemande, tous ces véhicules vont être détruits. Donc vous avez, après l'occupation germano-italienne, une situation épouvantable de pénurie. Dans un premier temps, le CICR va chercher à acheter des céréales, en Turquie notamment, pour ravitailler la Grèce. Et puis, très rapidement, on se convaincra que ça ne suffit pas, qu'il faut envisager une action d'une beaucoup plus grande ampleur. Et c'est à ce moment-là que le CICR va se tourner d'abord vers les autorités britanniques pour obtenir l'autorisation d'importer des secours du Nouveau Monde en dérogation au blocus. Auprès de ces hommes qui sont obligés de mener une guerre sans pitié, comment leur faire saisir l'étendue, la réalité de ce drame qui se déroule sous nos yeux? Je vais partir pour Genève. Au moment où je boucle mes valises, une jeune femme se fait annoncer. C'est Amélita Lycorezos, une infirmière grecque. Sur ma table, elle dépose deux grands dossiers. Dans ces dossiers, pas de rapport,
mais sans photographie, soulignée d'une indication précise. Son objectif a fixé en autant d'images pathétiques ces petits corps déformés dont on ne peut croire qu'ils sont encore vivants. Voilà, docteur, le témoignage le plus vrai. Puisque vous allez en Suisse, emportez ces documents. La nécessité de secours réguliers est enfin connue et leur volume est fixé largement. 15 000 tonnes de blé par mois permettront de donner 200 grammes de pain à 2,5 millions de Grecs. 100 000 kilos de lait en poudre sauveront 100 000 nouveau-nés. Ceux qui tiennent les clés du blocus n'hésitent plus à se montrer généreux. Tous ont vu les photos des enfants d'Athènes. Le CICR va mettre sur pied une gigantesque action de secours en Grèce, conduite à partir de 1942 avec le concours du gouvernement suédois, je présume de beaucoup la plus grande action de secours que le CICR ait conduite tout au long de son histoire, probablement aussi la plus grande action de secours jamais réalisée. En 1944, le délégué du CICR à Tokyo, le docteur Fritz Paravicini, décède. Marcel Junot est choisi pour le remplacer. Mais comment rejoindre le Japon ? Au terme d'un périple de 10 mois, passant par Téhéran, puis Moscou, pour prendre le Transsibérien et passer en Mandchourie, Marcel Junot atterrit enfin à Tokyo le 9 août 1945, un mois avant la capitulation du Japon. J'imagine que ce qui me vaut l'honneur d'être interviewé aujourd'hui est le fait que j'ai passé 10 jours dans la cité morte d'Hiroshima, 3 semaines après l'explosion de la bombe aujourd'hui appelée A. De la bombe A à la bombe H, il y a de 1 à 1000 ou 1500, et l'horreur, si cela se peut, est multipliée par ce nombre. Nous sommes au moment où le Japon capitule, au moment où arrive la mission américaine qui va organiser l'occupation américaine du Japon. Junot, à ce moment-là, envoie l'un des membres de la délégation, un Suisse résident au Japon qui s'appelait Bill Figuer, et lui dit « va visiter ce camp de prisonniers de guerre, mais regarde aussi ce qui s'est passé à Hiroshima, renseigne-nous ». Et au fond, Junot va être alerté par le télégramme qu'envoie ce délégué. Pour Junot, stop. J'ai visité Hiroshima, stop. La ville est anéantie, stop. 80% des hôpitaux ont été détruits ou endommagés, stop. Les terribles effets de la bombe restent mystérieux, stop. De nombreuses victimes, pourtant en voie de guérison, meurent brutalement, stop. Et alors Junot prend contact avec l'état-major américain qui débarque à ce moment-là dans le sillage de la capitulation, dit « il y a une situation gravissime à Hiroshima, il faut les secours, pouvez-vous m'aider ?» Et le gouvernement, l'armée américaine, mettra à disposition une 20aine de tonnes de matériel médical, principalement du matériel de pansement, des désinfectants, et dira à Marcel Junot « écoutez, nous avons de toute façon l'intention d'envoyer une mission à Hiroshima » pour prendre connaissance de ce qui s'est passé. Et donc, Junot pourra se rendre à Hiroshima à bord d'un avion. À Hiroshima, tout près de l'endroit dit point zéro, c'est-à-dire l'épicentre du bombardement, la verticale du point où l'explosion a eu lieu. Vous avez aujourd'hui un musée, un mémorial, et à l'entrée de ce mémorial, il y a un monument discret, comme il convient, mais quand même tout le monde passe devant, en souvenir du docteur Marcel Junot. Alors, le souvenir est très présent. Et pourquoi ? D'abord parce que Junot était le premier, après les autorités japonaises. N'oublions jamais, les premiers à s'être portés au secours des victimes, c'est la Croix-Rouge japonaise. Le premier étranger, le premier regard étranger, c'est Junot. Le premier qui a apporté des secours, c'est aussi Junot, même si c'était des secours mis à disposition par les Américains dans l'esprit des Japonais, c'est lui qui est arrivé avec cela. Et puis, j'ai le sentiment, mais ça, je n'ai pas la preuve, j'ai le sentiment qu'il a trouvé les mots justes, qu'il a su parler aux gens.
et que c'est finalement de cela que les Japonais, peut-être encore plus que les secours, ont été reconnaissants. Donc, à la fois en tant que délégué du CICR, il a su trouver les mots justes. En tant que médecin, il a eu aussi les gestes médicaux de solidarité, même si c'était une goutte d'eau par rapport à un océan de souffrance. C'était en tout cas très présent il y a 15 ans lorsque j'étais au Japon, et j'ai toute raison de croire que c'est encore très présent aujourd'hui dans la conscience collective, sinon des Japonais dans l'ensemble de l'archipel, en tout cas à Hiroshima. Il n'y a jamais que deux adversaires, mais auprès d'eux, et parfois entre eux, survient un troisième combattant. Le CICR publie en 1947, sauf erreur de ma part, donc 2 ans après la fin de la guerre, ce livre qui a été souvent réédité depuis, Le Troisième Combattant, dans lequel Junot a consigné son récit, mais aussi son témoignage. Le livre de Junot, il a eu un impact, en tout cas à l'intérieur de l'institution. C'est probablement l'un des livres qui a été le plus lu et qui exerce la plus grande influence dans le sens de la motivation des délégués, la conscience qu'on n'est pas soi-même juste délégué aujourd'hui à Gaza, à Peshawar, à Kaboul ou à Goma en République démocratique du Congo, mais qu'on est en quelque sorte le continuateur d'une tradition, d'une lignée dont Marcel Junot a été un témoin particulièrement éminent. Souvent pendant ces missions qui me conduisaient sur tous les théâtres de guerre, j'ai eu moi-même l'impression de livrer un combat. Il faut combattre contre tous ceux qui enfreignent les conventions, les ignorent ou les oublient. Il faut combattre pour les faire appliquer et il faut combattre pour les dépasser. Il faut combattre pour en faire admettre l'esprit si les textes en sont imparfaits. Celui qui accepte cette mission n'est nullement soustrait au risque de la bataille, mais il demeure aveugle et sourd à ses raisons. Il n'y a jamais que deux adversaires. Mais auprès d'eux, et parfois entre eux, survient un troisième combattant. Il n'a d'autre but que d'empêcher le vainqueur, quel qu'il soit, de s'acharner sur sa victime. Intervenir, ce n'est souvent que rappeler au pouvoir qui décide l'existence de ses victimes, même lointaines, et lui montrer la réalité de leur souffrance.